Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti aujourd'hui, c'est du Westland comme promis. Alors, j'en suis où? J'ai été un peu farmée, donc on va ranger ça, vite fait, bien fait. Et puis, bah après, on va voir ce qu'on va faire. Alors, peut-être un raid étant donné que nous sommes. On est quel jour? On est jeudi ou vendredi, je ne sais plus. On va crafter bah, toujours des lingots d'acier, j'en ai besoin. Hop, on va se crafter ça. J'ai quoi sur moi? Ok, tiens, on va crafter aussi des planches d'érable. C'est où? C'est ici. Hop. Voilà, le reste, on va en faire du charbon. Celui-là. J'ai quoi d'autre? Ça, on va le ranger vite fait, bien fait. Ça, j'en m'en fiche. Hop. Allez. C'est par là. Ça, on le range là, tout stocké. Hop, la peau, j'en ai 4. J'ai peut-être de quoi crafter du cuir de. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai mis ce clic. J'ai bu une tisane pour que dalle. C'est parfait. Voilà, on peut en crafter 2 comme ça. Donc ça, c'est nickel. Coucou Louis, tu vas bien? On va ranger les crocs. On a une cage de bandits à aller visiter. J'ai gardé une carte. Hop, on va mettre ça ici. Je vais aller changer de tenue. Je vais pas m'embêter à recycler ça. Hop. Oui, ça va très bien. Je te remercie, Louis. Coucou, agent Titi. Comment vas-tu? Salut, Ryan. Ça va? Alors, on va s'habiller et on va aller à la cage des bandits pour commencer. Bien, et toi? Bah écoute, ça va. J'ai la gorge qui me gratouille encore une fois, mais mis à part ça, ça va. On va prendre ça, ou peut-être celle-là. J'ai plus de fut, hein, va falloir que je crafte des pantalons. Je vais prendre celui-là et les bottes, on va prendre celle-ci, on va pas s'embêter. Hop, je vais prendre des armes. Par contre, je vais prendre des armes de cac et je vais essayer d'économiser mes armes à feu. Je sais plus du tout où c'est rangé. Bien, et toi? Bah écoute, ça va. Ça devrait suffire. Pour l'instant, on va en prendre 2 comme ça. Je pense que ça devrait aller. Coucou Nanas, tu vas bien? Fait plaisir de te voir. Ça y est, t'as eu la notif. Oui! Hey Max, coucou, tu vas bien? Alors, on va s'équiper. J'ai pas besoin du Sky, on va aller le ranger. Oui, et toi? Bah écoute, ça va. Gorge qui gratouille, mais ça va. Oui, très bien. Je viens juste pour vous souhaiter un bon live et une bonne journée. Oh, ce mignon. Merci, Ryan. Merci beaucoup. Si je suis au moment où il y a un villageois qui te demande de l'aide, je suis bientôt à la fin ou non? Quoi? J'ai pas compris, agent Titi. Je suis désolée. Un villageois qui te demande de l'aide. C'est-à-dire. Parce que, en fait, tu as plein de personnes qui te demandent plein de trucs dans ce jeu. Je vais mettre le whisky ici. La carte, je crois que je l'ai rangée là-dedans ou là-dedans. Hey, ma Mimi, tu vas bien? Je suis contente de te voir, ça fait plaisir. Alors, du coup, on va aller à la cage des bandits. Juste histoire de récupérer le loot. Ok, ils m'ont mis à dash, ça c'est parfait. J'adore ce jeu. Salut, salut Tascon. Hola, qu'est-ce? Comment est-ce? Les délires de pique, merci pour le follow. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien et toi? Ça va. Dans Westland, après que tu as sauvé des personnes du cap des bandits où il y a un villageois qui te demande de faire une quête. Alors attends, parce que dans la cage des bandits, tu veux dire dans ces camps-là, là? Ce camp de bandits-là, le camp du Nord, etc. Une fois que tu les as sauvés, il faut que tu retournes par l'OPNJ et la quête, elle est finie en fait. Allez, on va rentrer là-dedans. Ici, il n'y a pas trop de danger, donc ça va. Le camp du Nord. Ouais, bah, en fait, tu as juste à retourner parler au PNJ au début, et puis c'est bon, il te donne ton dû, en fait. Muy bien, querida amiga, acabo de terminar de jugar. Saludos.
Buen juego, Tascon. Il est où le... Voilà, le vilain cow-boy. Je misclique à chaque fois. Voilà, c'est du one-shot. Il n'est pas très dangereux. Ici, en fait, l'avantage de la cage des bandits, c'est que vous avez automatiquement du loot. Pas forcément hein, du loot de ouf, hein, mais c'est du loot qui est un peu gratos quand même. Cette cache, elle apparaît en fait quand tu quand ton ranch est attaqué, en fait. Tout simplement. Tu joues à Westland. Nanas, tu joues à Westland ou pas? Coucou mon Kaiser, tu vas bien? Kaiser, qui est une chaîne Twitch qui ne fait pas de Last Day, qui ne fait pas de. Comment ça s'appelle? De Westland ou de Mutiny. Par contre, il fait du Tarkov. Et c'est plutôt pas mal. Hop, je vous mets le lien de sa chaîne. Très bien, et toi? Bah écoute, ça va nickel. Le Beretta comme arme, il est bien. Oui, il est pas mal. Après, tu peux augmenter ses stats en obtenant des plans supplémentaires. Ça fait pas comme dans l'ASD où une fois que tu as un mode avec les plans que tu trouves et que tu as en double. Du coup, tu peux avoir. Ouh, elle est belle cette arme. Tu peux avoir des points dessus en plus de dégâts, etc. Du nickel, j'en ai besoin. On va prendre ça. Hey, c'est vraiment du bon loot, hein. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai 190, là 125. Et ça, j'en ai plus besoin. Donc pour l'instant, je ne vais pas le prendre. Me gusta como se escucha el acento francés. Muchas gracias. Hablo como lo puedes. Como lo puedo. Disculpame. J'avais pas vu le ni ou ni. Le ni oui ni non, pour 3K, je vais économiser mes carottes. Ouais, non mais alors, sache qu'hier, Gentil l'a utilisé, il a perdu. Donc, après, c'est bien parce que ça fait une petite interaction, mais c'est très dur pour moi de contrôler ce que je vais dire parce que, en fait, les mots viennent un peu comme ça. Ok, on a quoi? Une attaque de train. Donc, on l'a déjà fait la dernière fois. On va passer en ville, voir si on a un raid qui est dispo ou pas. On va y aller avec Joe Jumper. Je viens de regarder aussi. Et idem. Vous avez envie de me taquiner. Tu l'as fait au début, c'était plus simple. Oui, c'est vrai, on n'était que deux sur le jeu. Mais t'étais pas obligé de me balancer. Ah, gentil Titi. Il m'a balancé. Coucou Mélanie, tu vas bien? Algún día pondrás cámara. Para verte. No entiendo qué preguntas, Tascano. ¿Algún día pondrás? J'ai pas compris. Honte à moi, hein, mon mari est espagnol. C'est génial. Alors, du coup, on va aller voir si on a un raid. Donc ça se passe au saloon. On va voir Cora. Et Cora va nous dire si pour 200 pièces, on peut avoir un raid. Ah, dans 25 minutes. Ah bah bravo, il va être content. Non, mais en fait, à la base, je suis censée parler couramment anglais, espagnol. Mais le problème, c'est que quand tu es en stream, tu as tellement de choses à gérer. Le chat, le jeu, etc., que j'en bafouille déjà en français, alors imagine dans les autres langues. Al stream y el juego al mismo tiempo. Oui, es muy difficile, Tascon. Disculpa, mais. Donc c'est dans 25 minutes. Donc on a 25 minutes. On va se faire le camp des bandits ici, histoire d'essayer d'avoir du bon loot. Par contre, je vais aller m'équiper, parce que là-bas c'est un petit peu chaud toto. C'est un petit peu chaud toto, il y a plein de méchants partout, ils veulent tous me tabasser. En plus, il y a des loups qui veulent me croquer le mollet. Donc on va pas se laisser faire. On va aller chercher le bon loot et on va prendre le bon équipement surtout. On va garder une arme de corps à corps. Ça, on va le mettre ici. Je vais peut-être prendre une tenue un peu plus.
un peu plus, je sais plus le mot. Même en français, j'ai du mal. C'est affreux, hein. On va se stuff plus, voilà. Un peu plus résistante, c'est le mot que je cherchais. Comment ça, j'ai pas de chapeau? Bon, on va rester comme ça, hein. Mitty, pour faire la grange, la pièce, elle se trouve où? Pour faire la grange. Quelle grange, agent Titi? Tu veux dire pour faire le chariot et tout? C'est quelle pièce qui te manque? Preguntas lo que quieres sobre el juego Tascon y trao te responder si lo puedo. Du coup, ça, on va le planter. Hop, parce qu'on va en avoir besoin pour Jolly Jumper. Je voulais dire l'écurie, il me manque la pièce selle. Étrier, fer à cheval et bride. D'accord, alors ça, tu peux l'avoir sur un event qui pop. Ça s'appelle le chantier, agent Titi. Et tu trouves régulièrement ces pièces-là. Voilà, je vais te les montrer. Voilà, non, c'est pas ici du tout. Elles sont ici. Tu trouves ces pièces-là et garde-les parce que par la suite, tu en auras besoin. Tu devras faire des échanges avec le palefrenier en ville pour pouvoir par la suite avoir le chariot. Je vais ranger ça vite fait. Ça ici, le son, on va le garder. Hop. Hey, coucou Sly. T'as vu comme promis? Je t'avais promis un live Westland. Hein. Tu l'as. Je viens d'avoir l'événement des 3 ans. Ah, et alors, ça donne quoi? Moi, je l'ai pas encore eu. Je dois les faire à manger. Pff, mais je laisse tourner. Ça me fait un bruit de fond. Oh, ma Mimi, je te souhaite bon courage. Cuisine bien et je t'envoie des lingettes. Hein. Tu peux me passer les tiennes? Bah, si je pouvais, je le ferais volontiers. Honnêtement. Pour l'instant, je les garde. Elles ne me servent pas à grand-chose. Là, on va bien s'équiper. Ça fait du combien? On va garder celui-là, en fait. Hein. Je ne sais plus où se rangent les trucs. Hein. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ça, on peut le ranger ici. Ça fait pas mal de dégâts aussi, cette sucette là. Je sais pas à quoi sert. Hop, on va la prendre. J'ai ça, c'est bon. Je vais peut-être reprendre une arme en plus, hein, une arme à feu. Idem, peut pas trop rester. Des bisous. Y a pas de souci, Mananas. Merci d'être passé. Je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure in-game. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça va être chaud pour le stream. 254 de dégâts, sachant que là-bas il y a du peuple. Hein. On va peut-être finir celui-là. Hop, allez, on prend ça. Je pense que là on est équipé. Je vais pas garder le couteau. Je vais mettre ça dans la deuxième poche. Bah, le couteau, on va le mettre là en attendant. Je pense qu'on est bon. Mon personnage a faim. Hop, on va lui donner 12 steaks. Elle a soif, on va lui donner de l'eau. On va remettre ça dans le puits. Et puis, on se fera un raid par la suite. C'est déjà la deuxième fois que j'ai l'événement. C'est pas mal, on a du bon loot. Ah ouais? T'as eu quoi comme loot? Slice, s'il te plaît. Moi, je l'ai pas encore eu, je comprends pas pourquoi. L'event me boycotte. Est-ce qu'il y a de quoi faire sur le canasson? Et si on prenait le chariot, histoire d'avoir de la place en plus? Pour le loot, ce serait plutôt pas mal. On va faire ça comme ça. Excusez-moi, je vais boire un coup, je suis en train de perdre ma voix. Alors, c'est ici. Par contre, faut pas que j'oublie le chariot cette fois. La dernière fois, je l'avais oublié dans le bosquet de frênes. C'était un peu embêtant. Alors. Ah, j'ai pas regardé l'heure qu'il était dans le jeu. 20h30. J'espère qu'il n'y aura pas le Wendigo.
Je crois que j'ai pas de torche. Je vais regarder dans ma messagerie. Messagerie, c'est pas du tout ici, c'est ici. Alors, une torche. Une torche, toujours pas. N'ai pas de torche, moi. Ah, ça c'est embêtant parce que si on n'a pas de torche et que le Wendigo se ramène, ça veut dire qu'il va falloir qu'on attende qu'il fasse jour. J'ai pas de... Ah, si, une, ouf. Oh, c'est bon, on est sauvés, on peut y aller. À mon niveau, j'ai eu des choses sympas, cuir rigide, rouleau de coton, clous en fer, barre de fer, etc. Ah, ça c'est bien. Tu fais tout le temps le camp des bandits en pleine nuit. Bah ouais, je sais pas. On va s'avancer en sneaky, je sais pas ce que c'est. Ok, alors eux, ils peuvent m'attaquer. On va leur mettre des CC. L'avantage ici, dans Westland, c'est que vous pouvez farmer comme ça. Même s'il y a un mob à côté, ils vous voient pas forcément. Alors, c'est un lynx noir. Ça fait quoi? Ah, ça fait du 526. Pas si forte que ça, cette choupa choups là. Oh, je suis déçue. Je pensais que c'était une plus grosse sucette que ça. Bon, bah tant pis. Niveau 57. Ah, c'est pas mal. Et toi, Gentiti, du coup, t'es quel niveau? Ok, c'est un maraudeur. Il est en train de picoler. On va y aller au gain, hein. Par contre, je vais changer. Je vais garder celui-là pour des cow-boys un peu plus durs. Hein. Ok, c'est quoi là? Un tireur d'élite. Ah, mais ah, il m'a vu de loin, lui, hein. Allez, toi, tu te puces. Toi, tu te puces aussi. Il a un plus gros fusil que le mien. Hop, ça c'est bon. Je vais pas prendre, me jeter pas des cailloux si je prends pas les minerais de nickel, mais j'en ai plein à la base. Je sais plus quoi en faire. Niveau 26. Niveau 26, et t'as commencé quand déjà? Il y a du peuple. Oh, ça c'est embêtant par contre. On peut pas en prendre qu'un. Je vais prendre l'autre arme. On peut pas en prendre qu'un, ils se ramènent tous en même temps. Je suis coincée! Poussez-vous! Il me faut celui qui me tire dessus, là, le tireur d'élite. Ah! Coincé par un caillou. Ok, les deux géants. Hop! J'ai pas fail quand même. Ça, c'est fait. On trouve où les côtes de bœuf à faire cuire dans la cuisine? Alors, déjà, il faut que ton. Que ton fourneau soit level up pour pouvoir le faire cuire et bah tu le trouves au bosquet de frênes hein, notamment. Hey, coucou Wélan, tu vas bien? Coucou Corail, salut. Mais la maison de l'ASD, elle va arriver dans longtemps ou pas? La saison, j'ai lu la maison. Alors la saison, ce qui va arriver prochainement, donc ils ont dit début de semaine prochaine normalement. C'est la mage, hein. La mage au labo. La saison viendra par la suite, la saison 16. Donc, faut bien distinguer, faire la différence entre les deux. Je vais prendre la veste quand même. Il y a 2 ans, mais j'ai arrêté 1 an et 9 mois et j'ai repris il y a une semaine. D'accord, hein. Ok. Très bien, toi. Bah écoute, ça va nickel, je bafouille, tout va bien. La saison dans environ 3 semaines. Ouais, à peu près. Puisque début de semaine prochaine pour la mage, ouais, ça fait à peu près ça, Sly. Hein. Tu as raison. Allez, viens là, broyeur de fer. Je kiffe cette arme. Faut pas que je la pète parce que j'aimerais bien la réparer. On va boire du thé. C'est quoi là? Un loup noir. Et donner un coup de sucette. Je nettoie la zone parce qu'après, si je prends l'aggro surtout, ça pique. Fait pas très mal cette choupa. Vous voulez une plus grosse choupa-choups? Hop, tiens, prends ça. Ah, on va prendre ça. De rien, Corail. C'est quoi ton arme? Ça ressemble à une sucette. Je sais pas trop. J'ai dû la voir dans un event. Ça devait être un truc de Noël ou de Pâques. Hein, je sais plus trop. L'event de Pâques, je crois. Tu l'es où cette arme? L'event de Pâques.
Ah, l'arme à feu! Je croyais que tu parlais de la sucette. L'arme à feu, bah, je les crafte. Hein. Mais elle coûte extrêmement cher à crafter. Donc, du coup, si. Ah oui, lui, je peux le faire comme ça. Si je peux l'économiser un petit peu ou la faire réparer. GG Wallan pour ton level. Ah, mais non, t'as pas pris un level. C'est toi qui l'as mis. Level 17 quand même. C'est déjà pas mal. Hein. Hola, Moussissou! Waouh! Merci, Moussissou. Merci pour les 1000 bits. T'es un amour. Tu fais des bisous. Mettez-moi des cailloux et des cœurs et des carottes dans le chat pour notre ami Sissou. Merci beaucoup, mon Sissou. C'est adorable. Comment tu vas depuis tout à l'heure? Hein. Level 20, Agent Titi. Ah, Wellan, t'as du retard. Je me suis fait dépasser. Bah oui, t'as vu. Merci, mon Sissou. T'es un amour. Hop, allez, viens là, toi, Leleu. Elles sont sympas, les carottes. Vous les kiffez ou pas? Merci, merci pour lui. Puis merci pour moi aussi, c'est adorable. Comment tu vas, mon Sissou? De rien, Mithy, bah, ça va bien, merci. Ok. Faut que je te crafte plein de trucs dans le clan. Ah oui, c'est vrai, là c'est fermé, faut y aller par l'autre côté. Bah voilà, j'ai mis de l'oignon sur mon portable. Oh, ma Mimi, je t'ai envoyé une lingette désinfectante. Toi qui es aussi maniaque que moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Mais lui, il me voit de loin, c'est un truc de ouf. Un loup noir, on va utiliser. Ah, ils sont deux. Ils sont peut-être même trois. Ah non, c'est pas un loup noir. Pourquoi j'ai vu loup noir? Ah, parce qu'il est là. On va utiliser la choupa. Salut de miel, hein, tu vas bien? Ah oui, non, là, il y a trop de monde, je vais mûrir. Hein. Hop, le tireur. Bah bravo Mimi, bah oui hein. Mais c'était pour mettre des cœurs dans le chat pour toi, mon Sissou. Donc elle est pardonnée. C'est encore un loup. Je peux pas lui mettre un coup de sucette, il y a tout le monde à côté. Je vais boire de la tisane. Non, c'est une infusion aux herbes. Voilà. Je peux avoir que le géant. Non, il appelle six copains à chaque fois. Ah non, il est tout seul. Hein. Bah, je peux y aller à coup de sucette. Hein. Hop. Elle est pas terrible cette arme. Ah, hein. Oh, tout ça pour un steak. Ton arme, elle est destructrice. Ouais. Elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Hein. La Winchester modèle 1892. Le problème, mes plans d'armes que j'ai, on a. Pas beaucoup de dégâts. Ouais, mais petit à petit, en ouvrant plein de plans d'armes, en fait, slide, ça va augmenter les dégâts, etc. D'ailleurs, je vais te montrer le craft. Je dois l'avoir. Attends. Elle est où? Où es-tu? Elle est là. Donc, je suis trop loin de mon établi, donc je ne peux pas la crafter. Mais regarde, ça te demande 8 planches de mélèze. Ça te demande des plaques d'alliage dérivées en acier et des pièces de nickel. Elle est assez chère à crafter. Par contre, effectivement, elle vaut le coup. Salut Skywalks, tu vas bien? Le jeu est une copie de l'ASD, en fait. Non, ce n'est pas une copie de l'ASD. C'est une boîte de développeurs qui s'appelle Helios qui a racheté les droits. Donc, ils ne l'ont pas copié, ils l'ont acheté. Donc, c'est quelque chose de légal. Et par contre, c'est la même base au niveau du farm, etc. En revanche, ce n'est pas du tout le même jeu. Pas du tout, du tout. Oh, c'est du bon loot. Tiens, regarde, Sly. Je vais ouvrir le plan et tu vas voir, ça va me rajouter, tu vois, plus un de dégâts sur le marteau de bronze que j'ai déjà. Bon matin à vous tous. Ayo, midi d'amour. Coucou Robbie Marie. Hop, je vous mets le lien de la chaîne de notre petit Québécois, Robbie Mary. Hop.
Voilà. Les plants, tu en as acheté ou que tu as trouvé en zone... Non, en fait, je les trouve en zone... je vais peut-être prendre le loot. J'allais partir sans. Je les ai trouvés en zone et ici, dans les plans, tu peux regarder. Donc là, tu vois disponible dans 5 jours et 7 heures. Tu peux regarder, je crois que c'est tous les 7 jours, une pub pour avoir un tube spécial et là, pour avoir des tubes gratuits. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu viens m'embêter, toi, avec ton cure-dent là? Dégage, tiens, coutuzette. Voilà. Ah oui, mais ça va être long. Ah oui. Mais après, t'en trouves quand même pas mal, hein, dans le jeu. Je dois vous quitter. Bon live, Mitty. Bisous à tout à l'heure. Merci, mon Sissou, encore pour les 1000 bits. Je te fais plein de bisous et je te dis à tout à l'heure in-game. Bisous, mon Sissou. Ok, là, il y a du peuple. Ah, oh, je les ai tous attirés en même temps. Je suis suivie par deux géants. Ça n'a rien de rassurant. Ah, je vais être bloquée par là. Oh, je me suis pris deux coups de gourdin, là. Le broyeur de fer, il fait mal, hein, quand même. Je vais mûrir. Hein. On va se soigner. Ça m'embête d'utiliser ça. On va prendre plutôt celle-ci. Je vais bientôt changer d'arme parce que je ne veux pas la perdre, cette arme. Il est bien le flingue de cocher. Je sais plus lequel c'est. Je les connais pas tous par cœur, Jean Titi. Tu as mis ni oui ni non comme défi. Je pensais pas que tu l'avais ajouté dans tes points de chaîne. Alors j'ai mis le ni oui ni non, mais j'ai pas mis le mot interdit IRL, Roby Marie, parce que j'ai vu ce que ça faisait dans ton stream et non, ça va, merci. Tu me conseilles quoi sur l'ASD, le pass ou autre? Bah, ça dépend de ton niveau. Ça dépend de ce dont tu as besoin en fait, Coraya. Si jamais tu es déjà assez avancé, que tu as besoin de rien de spécifique, sauf d'avancer à ton rythme, le pass de saison est bien dans ce cas-là. Les compas, on est sur Westland, pas l'ASD. Le petit chut de Sly qui passe au passage. On est sur du Westland. Alors, oh, le sabre de confédéré, il est pas mal celui-là. On va le prendre. Je viens d'ouvrir les yeux, mais ça va bien. Ah, ça c'est cool. Ouais, le matin, ça pique toujours un peu. Ce matin, à 6 h, moi j'avais la tête dans le gaz, j'en pouvais plus. Là, ça va un peu mieux. Voyons voir. J'ai pas ouvert ce coffre. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Oh, vous avez vu le loot qu'il y a ici, outils en acier. C'est vraiment bien. Merci pour le sub, merci, t'es un amour. Ma petite plume, qui a une chaîne Twitch, qui fait pas de l'ASD, pas de Westland, pas de Mutiny, mais elle fait des trucs super sympas. Allez la voir, allez la soutenir. Alors, effectivement, on n'a pas le même style. Plume dit quelques gros mots. Voilà, des fois, ça pique un peu les oreilles, mais c'est quelqu'un de super adorable. Je sais que vous n'avez pas l'habitude sur ma chaîne d'entendre des gros mots, etc. Mais voilà, Plume, c'est vraiment un amour, une amour. Hop, on met ça ici. Ah, je me disais, les notifs marchaient pas, j'ai coupé le son, c'est normal. J'ai un badge fondateur, oui, ma plume. Alors, du coup, on a un loup noir, on va l'attaquer à coups de sucette, hein, lui aussi. Viens prendre ta choupa. Et je suis VIP. Oui, ma plume, je t'ai passé VIP. Ah, il m'a bouffé mon fut. Hein. Hop, on va prendre le croc et on va. Par contre, on va farm le marbre. Comment ça va ici? Bah écoute, ça va, ça se passe bien. On est tranquille ou bidou. Yomiti, franchement, je suis au travail, mais j'ai vu la notif. Je fais le spectateur discret avec le son coupé. Des bisous et bonjour le chat. Merci Gabi, je vais te mettre un petit message. Hop. Si t'as pas le son, tu risques pas de m'entendre. Là, ça devrait être mieux normalement.
Mitty se dédouane. Je me dédouane de quoi, Mimi? Dis-moi tout. Ah, et moi, je suis pas VIP. Oh, mon slide. On verra, on verra. Après Plume, je suis VIP aussi sur sa chaîne, je crois. Ça se trouve, je sais pas. Je vais vérifier ça quand même, mais il me semble. Ah, on se dédouane des gros mots. Ah non, mais moi, je dis pas de gros mots, hein. Mimi, depuis que tu me connais, tu m'as entendu dire un gros mot en stream? Jamais. Jamais. Si, je dis pétard, mais c'est pas vraiment un gros mot. Après, c'est pas parce que Plume a dit quelques gros mots que c'est pas un amour, hein. Elle est vraiment adorable, hein. Jamais, jamais. Bah oui, jamais, jamais. Tu es VIP chez Plume. Merci, Wellan, de le spécifier. C'est ce qui me semblait. Et si on allait mettre des coups de sucette, là? Ah, c'est un gangster quand même, hein. Je vais en prendre plein la mouille, là. Ah oui, puis il y a... Oui, non, je vais mûrir, hein. Parce que eux, ils piquent. Il est où, Barney le marchand? Il est où? Ah, il est là. Alors lui, il fait des tours de magie. J'ai pas envie qu'il parte. Ah! Je l'ai eu! Oui! Je l'ai eu! Se précipite pour aller vérifier que Mitty est VIP. Ma petite plume. Ça va mieux, bien reposer. T'étais fatigué, mon Mélan? Hein, tout ça? On m'avait dit qu'il avait du bon loot. On m'aurait donc menti. C'est dingue, ça. J'en ai 32. Ça, j'en ai pas besoin de celui-ci. Je vais aller voir ce qu'ils ont, eux, comme loot. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est des bottes de cow-boy. J'ai pu faire une grasse mat, donc ça va mieux. Et toi? Ma petite plume, tu nous fais quand un stream? Il doit y avoir une grotte quelque part là. Ah ben je suis dessus, je l'avais pas vue. Hop, on va rentrer dans la grotte. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une chauve-souris. Et j'ai eu peur d'une chauve-souris. Là, c'est un tireur. Hein. Ok. Un autre tireur d'élite. Un pantalon. Je vais le prendre parce que je crois que le mien, il est en train de mûrir. J'ai beaucoup bouché ces derniers jours et peu dormi. Donc, hier, j'étais crevée. Oh, mon Wellan. Bah, du coup, avec la grasse mat, ça va beaucoup mieux, je suppose. Je suis Bodor. J'essaye ce soir, mais avec le chéri qui dit des gros mots pires que moi, j'aime pas. Oui, c'est vrai. Mais on lui en veut pas. C'est la nouvelle zone, si je comprends bien. Non, pas du tout. C'est pas du tout la nouvelle zone, Robbie Mary. C'est le camp des bandits du sud. On l'avait fait quand d'ailleurs? Je ne sais plus. Et il y a quand même du bon loot, donc elle est à faire régulièrement. Je kiffe cette arme. J'ai l'impression qu'il meurt tout seul. Planche de frêne, je vais en avoir besoin. Va falloir que je me sépare de certains trucs. Hein. On va voir après. Bayonne-le, plume. Oh, le pauvre. Parce qu'il dit des gros mots, mais il est gentil. Je peux pas le bayonner. Pourquoi il est trop grand? Hop! Ça t'intéresse pas d'être partenaire sur Westland? Bah écoute, Sly, je suis déjà partenaire sur l'ASD et je m'en sers pas sur Westland. Après, Westland, ils sont un peu plus cool que chez Kefir. Mais voilà. Non, pas spécialement, à vrai dire. Hein. Parce que des pièces, voilà, on peut en avoir. Faire gagner des trucs, je suis pas encore assez avisée sur Twitch pour organiser des giveaways ou des trucs comme ça. Je commence Twitch depuis il n'y a pas longtemps, donc pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Vous êtes un homme mort. C'est lui. Will le chasse. Aïe! Oh pétard! Mais j'aime pas tuer. Je veux pas tuer les chiens. Je suis obligée, il va me becter le mollet. Tiens, un coup de sucette. Oh, ça c'est bon ça.
C'est bon, mais j'ai plus de place. Ça, on va enlever. Ça, on va prendre. Je vais enlever. Il est comment mon pantalon? Il peut encore servir. On va enlever ça. On va prendre ça. Je sais que j'en ai 86 à la base, mais je sais que je vais en avoir aussi beaucoup besoin par la suite. Ils sont comment mes vêtements? Ok, je vais boire la tisane là. On va prendre ça. J'ai plus de place, faudrait que j'aille mettre des trucs dans le chariot. Dans la chariote. Alors. Ah, mais c'est pas fini, il y en a encore là. Non, pas la sucette. J'appelle les impôts, je reviens. Ok, ma plume. Bah, bon courage. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. J'appelle les impôts, je reviens. Ça, c'est bon. Ah, j'ai mal à la gorge. Je bois un coup, excusez-moi. Coucou le pro, tu vas bien? Ok, ça, je pourrais le laisser. Je crois que j'en ai plein là-bas. J'en ai 76. Mais je sais que ça va servir après. Oui, ça va. Bon, ben, c'est cool. Allez, on ressort. Normalement, on devrait ressortir par l'autre côté. Ah non. Si. Non. Ben, ils sont revenus, eux. Jamais ils meurent. Un maraudeur. Faut que je fasse gaffe à mon arme. Faut pas que je la pète, sinon je pourrais pas la réparer. Je vais la changer tout de suite parce que je me connais, je vais oublier. T'as quoi sur toi? Ouais, mais ils ont plein de trucs intéressants. Faut que j'aille mettre des trucs dans le chariot, hein. Mettre des trucs dans la chariote. Hop. Ah non, on est bien arrivé de l'autre côté en fait. Mon Curly! Hop, pour ceux qui ne connaissent pas mon Curly, ce qui m'étonnerait, voici la chaîne de mon Curly. Hop! Avec la petite mexicaine. Ça, j'ai pas vu. Où la bannière? Où la bannière pour aller au chariot? J'ai pas compris, Sly, excuse-moi. Je suis arrivée dès le début, mais j'étais en tournoi. Ah! Et tu as gagné? Ah là, c'est Bill l'explosif. Faut que... Ah, mais il est fou, il est fou. Ah, faut que je me heal. Ça pète de partout. Mais ça va pas, non? Mais c'est quoi ce boss? Je vais pas fail là quand même. C'est la fin. Non, tu m'auras pas. Wow, mais c'était quoi ce boss? C'est un truc de fou, je l'avais jamais eu lui. Ah ouais, je suis au pépito ce boss. Bah oui, t'as vu un peu, il voulait me faire du mal lui. Ouais, alors va falloir que je vais ouvrir la barrière. Et normalement, je devrais avoir accès à ma chariote qui se trouve où? On va suivre les cadavres. Je sais plus où c'est. Ah, elle est là. On va mettre ça dans le chariot et sur le canasson. Pas dans le canasson, sur le canasson. Ça, on va le garder bien au chaud. Hop. Ça. À la rigueur, on va faire plus ça. On sait jamais si je me fail. Là-dedans, on va mettre ça parce que c'est à réparer. Ça aussi. Et on va aller prendre le reste. C'était par où? Je crois que c'était pas par là. Je suis perdue. Hello, Komumu, Kikumiti, coucou mon rescos. Tu vas bien? Ah, c'était par là. Donc il nous reste un coffre à ouvrir. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Aucun cheval ne sera maltraité aujourd'hui. Non, aucun.
Oh, regardez-moi ce beau loutin. On a des lingots d'acier. Ça sert à faire du soin, notamment ces soins-là, ici. Avec 1280 de soins, donc c'est plutôt pas mal. On a des plaques d'acier, des pièces d'acier. Franchement, il est beau ce loot. Il a combien cet arc? J'en veux pas. Ça, je vais prendre. Et on a un mécanisme compatible avec Tanner. Plus un objet peuvent être produits simultanément. Ça, c'est bien ça. On va prendre la flotte. Puis je pense que c'est bon. On va aller se faire un petit raid. On va rentrer à la base. On va ranger tout ça. Et on va aller se faire un raid. Hop, c'est parti. Ah ouais, t'es en couleur le pro. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu. Ah oui, carrément. Donc un caillou, la chef de plume, une carotte, ça pue et un patou. Rien que ça. Ça fait beaucoup. Coucou Dev, tu vas bien? Prédit avant le raid, ma doquette? Oui, si tu veux. Après, c'est pas les mêmes raids que dans... Comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai oublié. C'est le jeu auquel je joue depuis 4 ans et j'ai oublié. Faut que je... Pas que j'oublie ma chariote. T'as tout pris sur le boss? Oui, Sly, j'ai tout pris. L'as dé, pardon. Mais on peut faire une prédit, hein. La honte. Oui, oh, ça va. J'ai perdu mes mots, j'ai perdu mes mots. J'ai bien emmené la chariote ou pas? Oui, je perds la boule. Vous me troublez, c'est à cause de votre faute. Alors. Je vais trouver un coffre vide, je vais mettre tout ça dedans. Voilà, je rangerai après. De toute façon, on ne va pas venir m'attaquer tout de suite. Je vais mettre le mécanisme. C'était sur quoi déjà? Le truc de Tanner. Mécanisme. Hop! Voilà, plus 1. Mitty va-t-elle mourir sur le raid? Ça m'étonnerait, mais bon. On va... Allez, je vais vous faire une prédiction. La prédiction. Hop! Commencer une prédiction. Alors, hop. Allez, vous avez 2 minutes. Let's go. Tu peux pas faire un truc entre les deux? Faire un truc entre les deux, c'est-à-dire, Jean Titi, je préfère garder pour une fois mes carottes. Bah garde tes carottes, y a pas de souci. On peut les améliorer les mécanismes. Alors au niveau des mécanismes, tu peux, en fait, tu peux les changer. Donc tu vas en trouver d'autres qui seront plus intéressants et c'est pas une amélioration, mais tu peux les échanger. Tu fais fail et pas fail. Oui, c'est ce que j'ai fait. Tu peux pas faire un truc entre les deux. Bah, un demi-fail, tu veux dire? Non, c'est soit je fail, soit je fail pas. Mais un demi-fail, même Ganache, il nous fait pas ça. Hein, mon curly? Dis-lui, toi. Hop. On va mettre ça ici. J'ai quoi sur moi? Je vais garder ma sucette. On va aller vider ce qu'il y a dans le chariot. Faut que je prenne de la dynamite. Non, tu fais entre les deux pour gagner à 100%. J'ai pas compris. Je suis désolée, je suis un peu lente aujourd'hui. Hop, on va enlever ça. Je crois que j'ai mis des trucs sur Jolly Jumper. Ouais. Pardon. Non, il fait des doubles fails. Ah non, Dave, c'est pas vrai. Il n'a pas fait des doubles fails. Il a fait pire. Je peux pas te laisser dire ça. Je passais juste faire un coucou. Le feu au boulot. Je pense à prendre un RTT. Même plus le temps de geeker. Bisous à tous. Kiss kiss. Bang bang. Bisous Moretzki. Plein de bisous. Bon courage à toi. Je vais déposer des trucs ici. Quoique non.
On sait jamais. Je vais les déposer à l'intérieur. Je suis en train de perdre ma voix, c'est génial. On va aller voir la Cora. Dynamite, faut pas que j'oublie. Ah bah c'est déjà plein là-dedans. Bah on va mettre ça là, je rangerai après. Hop. Voilà. On a dit dynamite. J'espère qu'on va trouver un coffre-fort, j'aimerais bien. On va en prendre 6, hein. S'il y a besoin, de toute façon, on peut revenir. On peut revenir dans la base. Hein. Quoi? Des multi-fails? Il est fort ce ganache. Bah oui! Le pauvre, franchement, j'ai de la peine pour lui parce que quand je vois la malchance qu'il a des fois, je me dis c'est pas possible. Hein. Mon pauvre Curly. Hop, alors on va aller voir Cora, payer 200 pièces pour pouvoir avoir un raid. Hop, on va prendre la chariote, hein, sinon je vais l'oublier, je me connais. Pauvre ganacherie, bah oui, mon pauvre Curly. C'est à Jean Titi, je crois que tu me demandais pour les items après pour le chariot. Je vais te montrer où est le palefrenier. Et il va aussi te donner des missions. Donc c'est important que tu saches où il est. Je vais te montrer ça. Le palefrenier. Il est là. Donc moi je peux rien lui demander parce que j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. Mais voilà. Là ici tu peux aussi avoir de l'avoine, mais je te le conseille pas. Tu peux échanger des trucs aussi. Notamment pour la bride, hein, tu vois. Donc voilà. C'est de ce côté-là pour les chevaux. Nous, on va aller voir Cora. Bah de rien, Agent Titi. Avec plaisir. Agent Titi, t'as répondu fail. Je te signale que je le vois, t'es tout rouge. Ça veut dire quoi, ça? Ok, on achète. Hop, c'est parti. On va voir quelle base on va raid. Hein. Après, j'espère que j'ai pris assez de hachettes. Faut pas que j'oublie le chariot. Assez de hachettes, sinon faudrait. J'en ai peut-être dans la messagerie, remarque. Moi, j'ai répondu. J'ai répondu pas de fail, mais j'ai mis peu. Bah écoute, tu vas peut-être. Si t'as mis pas de fail et que je fais pas de fail, tu vas récupérer toutes les 40 d'Agent Titi. Alors, c'est la base de. Alors, je vais le noter pour le titre de la rediff. Le même. Parce que je le vaux bien. Hop, voyager avec la chariote. Ah, j'ai plus beaucoup d'avoine. Est-ce que je vais en avoir assez? Faudrait pas que ma chariote elle s'arrête en plein milieu. C'était juste juste, hein. Mithy mourut. Moi, attendre alors. Merci Risky. Oui, pour avoir des points de chaîne et vu que le stream a démarré. J'ai pas fait gaffe. Mithy, j'ai mis que 10 carottes. Mais 10 carottes, c'est déjà 10 carottes. Et les carottes, c'est la vie. Tout à fait, mon Wellan. Allez, on va aller voir l'humain parce qu'il le vaut bien. Alors, déjà, est-ce que le cow-boy est ici? Il est là. Hop! Ok, il avait rien sur lui, c'était pas super. J'ai mis 300. T'as mis 300 pour un fail? Wellan, je pense que tu vas regretter ces 300. Ah, mais c'est une petite bazounette! Ah non, il a plusieurs endroits en fait. Ok, là il va falloir de la dynamite. On va tout faire péter! Ok. Ok. C'est toi, c'est toi quoi? Ok, là c'est un couloir. Là c'est un autre couloir. Ok, là on a une réserve. Je vais tout ouvrir et après on va voir.
C'est pour ça que Fail est à 360. Ouais. Visiblement. Donc du coup, on n'a pas utilisé de dynamite, ce qui est plutôt bien. Toutes ces réserves sont là. Donc je pense que l'autre côté, ça doit être ces établis en fait. Ah si, il faut de la dynamite là. Ah mais ça, c'est pas cool ça. Moi j'étais bien avec les pioches, c'était bien ça. Je suis en train de casser quoi? Pièce de fer. Ouais, mais le problème c'est que je casse les établis, mais je peux pas accéder à sa pièce. Ça, je m'en fiche. Ça, c'est pas mal, ça. Et là, c'est de la dynamite. Ok, donc il va quand même me falloir de la dynamite. On va tout faire péter, hein, on n'a pas le choix. Elle est où, ma chariote? Elle est là. Oui, mais si je gagne, je prends toutes les carottes du pro. On croit en toi, Mitty. Merci, Robby, c'est mignon. Toi, tu crois en moi, au moins. Merci. Au bon Maldine, c'est de la dynamite. J'adore les gens qui sont de la même génération que moi. J'ai ri, Redski. J'ai ri. Mitty dangereuse avec ses dynamites. Ouais, je pourrais me faire sauter toute seule. C'est possible, ça. Ça peut arriver. Ah, mais il y a des pics ici aussi. Il y a des pics de partout. Attention. 9 pouces. J'adore que tu aies la rêve. Bah oui, forcément. Un pour une pièce vide. Enfin, vide. Non, il a un truc. Ah, mais je suis obligée de passer de l'autre côté. Mais c'est une vraie arnaque, ce truc. Il a bien construit sa base, hein. Franchement. Ouais. À la rigueur, on va prendre. Hein. On va prendre, mais je suis pas sûre de garder, en fait. Ça se pique les carottes ici. Oui. T'as vu un peu? Tout le monde veut piquer les carottes des uns et des autres. Je vais péter ce pic là. Je vais mettre une dynamite là. Je vais en mettre une autre ici. Hop. Tout ça pour ça? On va quand même regarder ce qu'il y a dedans. Hein. J'espère qu'il y a... Ah, il n'y a rien. J'ai utilisé de la dynamite pour rien. Non, agent Titi, tu n'auras pas mes carottes adorées. Si, Mitty commence à se fatiguer. Oui, mais non, je vais essayer de rester concentrée. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a que dalle. Ok. C'est une vraie arnaque, cette base. On va commencer à regarder dans les différentes réserves et restes quand même. Il n'y a que dalle, hein. J'ai pas un super raid, ça. Ok, ça, je vais prendre l'avoine. Ça, c'est bien, ça. Le reste, j'en ai pas spécialement besoin. C'est pas ce type de ressources que je cherche. Ouh, du steak. On va le manger, tiens. J'ai pas fait cette réserve, là. Ah, ça c'est bien ça. Du soin, ça c'est bien. Ça se mange ça. Voilà. Là-dedans, il y a quoi? Ouais, non, ta veste, j'en veux pas. Là-dedans, je crois que j'avais regardé. Ouais. Du coup, on va passer de l'autre côté. Là, c'est son puits, donc c'est de la flotte, ça m'intéresse pas. Ah, mais là aussi, il te faut de la dynamite. Je vais passer par là. Hein. Ok, là, on a un établi. Ah, ça se trouve, ces coffres, ils sont de l'autre côté, en fait. Hein. Mais je crois que j'ai plus de dynamite sur moi. Ah, là, il y a un en bois. Ok, donc ça se trouve, il a fait une salle des coffres où il a un coffre-fort. Hein. Deux dynamites nécessaires. Je crois que j'ai tout pris dans la chariote. On va aller voir. Je dois en avoir en messagerie, normalement. On va pas se laisser faire, non, Mehdi? Hop. Tiens, ça, c'est pour toi. T'as bien bossé. Faut pas que j'oublie le chariot en revenant. On va mettre le soin là-dedans. Parce que ça, je suis sûre de le garder. Ça aussi. Les pièces en fer, je suis pas sûre de les garder.
Et ça, je vais garder. Ça y est, ma Mimi. J'ai ma boule de poil qui vient de se réveiller, le futur streamer québécois. Tu lui fais des bisous à ta boule de poil? J'espère qu'on va bientôt l'entendre sur un de tes streams. J'aime bien quand ils discutent en même temps. De la dynamite. La dynamite. Je crois que j'en ai vu tout à l'heure en plus. Donc il m'en faut deux. Là, il y en a une. Et là, il y en a une. On a de quoi te faire péter. Hop. Par contre, faut que je me pousse. Hein. Si sinon, ça va piquer. Futur avenir de barman ou de traducteur. Oui. Hello. J'aime bien le hello. GG pour ton level, Wellan. Ok, là, c'est son établi d'armes, alors. C'est ça que tu protégeais, un loup tout pourri pour moi. C'est un rang 4. Celui-là, éventuellement, il peut m'intéresser. Un rang 3. On va les prendre, j'irai farmer avec au pire. Je vais les réparer et aller farmer avec. Ça peut être pas mal, ça. Ça, j'en ai plein dans ma base. Celui-là ne m'intéresse pas. 254. Non, le reste, ça ne m'intéresse pas. On devra faire un stream à la fin de la semaine pour l'entendre. Je trouverai un moment pour mettre le tout à mon horaire, mais pas en fin de semaine, c'est déjà complet. Il n'y a pas de souci, Roby. J'avais regardé là-dedans? Oui. Allez, on va finir de tout péter. Lui, ça doit être un nouveau joueur. Non pas parce que sa base est petite, parce qu'il a très peu de coffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ma base, vous avez remarqué, j'ai énormément de coffres. Parce que quand j'ai commencé le jeu, on pouvait crafter plein de coffres. Après, ils ont réduit le nombre de coffres. Ce qui est dommage d'ailleurs. Dommage que ce ne soit pas une prédit bon, mauvais raid. Ah bah, vous m'avez demandé fail ou pas fail. Hein. Moi, je vous ai suivi. Hein. Oui, là, ça aurait été un mauvais raid. Hein. On va prendre ça. On va regarder ce qu'il y a là. Ok, ça je vais prendre, j'en ai plus. Ça j'en ai 9 en réserve, 85, 80 et 30 en messagerie. Je ne vais pas avoir besoin de ça. Oh, ça c'est du bon loot. Ah, là je suis contente là. Hey, ça c'est bien. Outils de fer, je crois que j'en ai pas besoin. Là j'en ai 14, là j'en ai 12. C'est amplement suffisant, en fait. Et il doit y avoir un atelier au bout que j'ai pas pété. Ok, du granit. Je vais le mettre à la place de quoi? À la place de ça. J'en ai plein. Le granit, j'en ai besoin pour level up les murs. Merci, carotte. Désolée, j'ai un sale accent, c'est tout. Non, c'est pas grave, Ritsky, moi j'aime bien. Alors, bon, bah, on a fini le raid. J'ai pas fail, donc il y en a qui vont perdre des carottes. Oups, j'ai fait un misclic. J'espère que je vais avoir assez d'avoine pour rentrer à la base. C'est pas sûr. Continue de dire ça. C'est bon, je sens que mes carottes vont revenir. Oui, tu vas avoir des carottes. Oh, ma Mimi, pour les lingettes, c'est un budget tout de même. Ah, merci, ma Mimi, pour tes 100 bits. Merci beaucoup. Des carottes, des cailloux dans le chat et des cœurs pour ma Mimi, s'il vous plaît. Kaze, bonjour, Mithy Dokai, bonjour tout le monde. Bonjour, comment vas-tu? Faut pas que j'oublie. Bon, non, je voulais pas re-rentrer chez le même. Merci, ma Mimi, t'es un amour, je te fais des bisous. Hop. Bon, GG, à chaque fois que je crois pas en toi, tu réussis. Ben oui. D'un côté, est-ce que je t'ai déjà vu croire en moi, gentil? Je suis pas sûre. Merci pour les cœurs pour Mimi. Les cailloux, les carottes. Faudrait que je te fasse
Quand on aura un peu plus d'émeutes sur la chaîne, je te ferai une émeute pour toi, ma Mimi. Une lingette exprès pour toi. On n'oublie pas le chariot, on rentre à la maison. Je ferai ça pour toi, faudrait que je voie. Alors, c'est un bon. Il n'y a pas de fail. Choisir le résultat. Allez, vous allez récupérer des carottes, pas de fail. Voilà. Waouh, trop bien. Bah oui, ma Mimi, je vais faire ça. Si, pendant les vagues au Comico. De quoi pendant les... Non, pendant quand j'ai fait les vagues et que j'ai utilisé le lance-patate, t'as pas cru en moi, Jean Titi, je crois pas. Merci à ceux qui ont mis fail, ça fait plaisir. Alors, voyons voir le détail. Ouais, il y a 1290 carottes à se distribuer, hein. C'est pas mal, hein. Les mots de barre de fer, comment ça? Je le trouve pas. Les mots de barre de fer, bah, j'ai mis une carotte, c'est le prochain à venir. En fait, tu l'as en rang 2, mais je trouve ça abusé. Donc, je vais le mettre, mais pour ça, il faut que je déblaque. Je déblaque. Bien sûr, que je puisse débloquer une place supplémentaire pour les émotes. Hein. Si, demande au pro. Ah non, mais je te crois, il n'y a pas de souci, je regarderai la rediff. Oui, Agent Titi avait cru en toi. Ah, ça, c'est mignon. Du coup, pour aujourd'hui, il est quelle heure? Ah, on va pouvoir continuer un tout petit peu. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire du coup. Vous voulez aller en quelle zone? En attendant, je vais ranger. Petit Sly, es-tu là? Si tu es là, mets-moi un message. Tu aimerais voir quelle zone? Ou Agent Titi, ceux qui jouent au jeu. Vous voulez voir quel type de zone? Tu peux faire un tuto sur comment fail? Un tuto de quoi? Tu veux? Tu veux quoi comme tuto? Les crocs. C'est ici. Comment bien commencer? Comment bien commencer? Bah, étant donné que c'est un jeu de farm, voilà, je peux te montrer les différentes zones, mais ce sera pas comme toi tu peux le faire en fait. Parce que tu sais qu'on a des points d'esprit, on a des points de défense, de vitesse d'attaque et de dégâts. Et j'ai déjà placé des points. Donc, tu vas aller en chromite? Pourquoi je t'ai posé la question, Slay? On va aller en chromite. Allez, je vais garder ça, ça, ça. Ça, je vais le ranger. On va aller en chromite. Non, c'est pas du tout là où je dois ranger ça. On va le ranger là. Je vais reprendre un peu de soin. Je crois que j'en avais laissé dans le coffre. La chromite, ça pique. Tu le sais. Bonne cœur B. Mince, mauvais jeu. Willan, mais je valide. Je sais pas pourquoi tu t'obstines à vouloir me faire faire le bunker B. Aucune idée, je comprends pas pourquoi. Il me faudrait quand même vague des esprits. Le canyon, tu veux dire? Les épreuves du canyon? La grotte aux esprits, je vous la ferai, mais elle prend énormément de temps. Donc je vous la ferai plus tard. Hein. On va prendre ça. J'ai pas des pioches. J'ai plus de pioches, moi. On a plus de pioches. Je dois en avoir dans la messagerie, sinon j'en trouverai sur place. Je vais en trouver sur place. Allez, on y go. J'aime voir les gens souffrir. Oui, je sais. Visiblement, oui. Non, je vous ferai la grotte aux esprits après. Dans un prochain live. Ah, mais il y avait du soin là. Dans un prochain live parce que ça prend énormément de temps et en plus je me perds. Donc il faut que je mette de la voix. Nous, je vais utiliser des pièces. Mine de fer, c'est dur. Moins dur que la mine de chromite. Hop. Ah mais mince, je me suis trompée de bouton, j'ai mis ce clic. Bon, c'est pas grave, il va tomber en panne le cheval. Voilà, il est en panne.
Vous êtes obligé de le pousser. Ah, terminez votre voyage avant de pouvoir revenir ici. Alors, j'ai fait une bêtise. Est-ce que je peux nourrir mon cheval d'ici? Oui. Ah bah super. De l'avoine, je crois que j'en ai. Quelle idée aussi, ce cheval, il avance plus quand il a plus à manger. Hop. Va falloir farm pour up le chariot. Ouais. J'ai fait un quiz Zelda pour un streamer et il était peut-être trop compliqué. Du coup, certains ont bien galéré. Mais quelle idée de faire un truc compliqué. Hop. Voilà. Comme ça, on va pouvoir y aller. Là, il veut bien. On va prendre des pièces. Mine de chromite, c'est pas l'endroit stylé. T'en as plein d'endroits stylés à Gentilly. Attends de voir quand je ferai la grotte aux esprits. Tu vas voir comment c'est stylé. Alors, je vais vous la faire, la grotte aux esprits. La grotte aux esprits, je vais vous la faire avec des armes de cac pour le premier niveau. Après, vous avez ce qu'on appelle des niveaux hard en plaçant des sauts. Plus vous placez de sauts, plus c'est compliqué, plus les mobs ont des PV, plus va vous falloir des armes, du soin, etc. Par contre, plus le loot est intéressant. Avec la zone où il faut se faufiler entre les murs. Si? Ah bah, je vous l'avais déjà faite. Ça, je vais prendre ça. Il y a 5 cinq aciers, je vais prendre. À moins qu'on a. C'était dans. Tu trouves dans les grottes en général. Donc ça se trouve, c'était en. Dans la zone de fer. Lui, je vais lui mettre des coups de sucette. Tiens. Je vais finir ma sucette. Oui, le premier stream. Je me souviens absolument pas. Je suis désolée. D'un côté, tu devrais commencer à me connaître, agent Titi. Le fait que je me souvienne pas n'est pas étonnant. Tiens, coup de sucette. Après, j'ai encore plein de d'armes de. Ouais, non, là, lui avec son cure-dent, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Non, ça, j'en veux pas. J'ai plein d'armes de Noël et tout encore. Oui, mais on sait jamais. Non, non, on sait. J'oublie. On le sait bien. Tireur d'élite. Donc là, il doit y avoir au moins deux tireurs et peut-être un maraudeur. Un maraudeur. Hé, GG Roby pour ton level. Hein. D'accord, ok. Donc, il y a deux pillards. Hein. Oh, je prends cher. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas la bonne tenue, c'est pour ça. Je me disais, je comprends pas pourquoi ma vie s'en va aussi vite. Du coup, va falloir que je fasse attention de ne pas mourir cette fois. Level 20. Eh, agent Titi, c'est bien ça. C'est pas pour rien que Mitty rime avec Dory. Tout à fait. Qui c'est qui me plante un cure-dent pendant que je regarde un coffre? Vilain gredin. Hop. J'en étais où? Je regardais là-dedans, moi. Le charbon, ça m'intéresse. Ça, on prend. Waouh, enfin, je monte en level. Bah oui, à force d'être sur le stream, de participer, etc., ça monte ton level. C'est ça qui est bien. On va les délivrer des esclaves. C'est des loups noirs. Je vais les faire comme ça, tant pis. Je ne vais pas prendre le granit, je vais prendre que la chromite éventuellement. Je reviendrai plus tard pour le granit. Je crois que j'en ai accumulé pas mal. Il y a quoi là-dedans? Ah là, on va trouver une pioche. Re ma plume, tu vas bien? Aïeux! Alors plume, pour que tu le saches, Wellan a été très sage. Il n'a pas fait de bêtises. Comment ça s'est passé avec tes impôts? Lui, je peux le vaincre à la sucette. Hop, il ne met pas de dégâts.
Voilà. La troisième poche, elle sert beaucoup. Là, il y a les esclaves, faut les délivrer. Hop. Pardon. Oh, je prends cher. C'est lui là. Je vais mûrir. Ah, mais je vois plus rien. Pucez-vous. Mais c'est quoi tous ces gens? Ah, ben dis donc, j'ai loupé plein de messages. Oh, Wellan, il est en violet maintenant. Oui, de la couleur du poulpe. Oui, je teste les couleurs sur téléphone, c'est devenu plus simple. Bah ça y est, il me prélève à la source. Je me suis rendu compte que mon taux était à zéro. Du coup, à la fin de l'année, il m'aurait demandé tous les impôts 2021. Oh, pétard, t'as bien fait, plume. Ouais, ça aurait fait mal, ça. Ils veulent te donner de l'amour, tous ces gens. Non, ceux-là, ils voulaient me donner des coups de marteau et tout. Ils étaient pas très sympas. J'apprécie moyennement, leurs coups de marteau. Ah, mais non, mais sérieux? Je vais faire gaffe à ma vie. On va essayer d'optimiser le soin. Oh, c'est dur à dire ça comme mot. Toi, tu dégages. En plus, je vais avoir une attaque sur mon ranch. Je vais enlever la sucette et je vais mettre ça. Non, j'ai dit j'enlevais la sucette. Hop, on va prendre ça. Ça, on prend pas. Ça, on prend pas. Qui es-tu pour juger leur façon de donner de l'amour, Mitty? Bah écoute, ma vie les juge. Moi, j'utilise des soins à cause de leur faute. Ah, lui, je peux prendre la sucette. Hop. Ah, j'ai plus de chaussures. Tiens, coup de choupa. Hop. Ah, ça fait mal, hein. Voilà. Hop, on reprend ça. Non, je vais prendre celui-là, peut-être. Faut pas que je le finisse surtout. Ah, c'est parce que j'ai plus de chaussures et plus de pantalons. C'est pur ça. Je taffe à côté, je lurque. Pas de soucis. Te fais des bisous. Bon courage, Plume. C'est chaud quand même. Ah oui, c'est chaud. La mine de chromite, Sly, n'y va pas comme ça. Hein. Une arme de quatre coups, c'est trop destructeur. Une arme ou de quatre loups. Tu voulais dire quoi, gentil? Excuse-moi, j'ai pas compris. Ils aiment juste quand ça fait mal. Oui, bah pas moi. Ah! Un leu! Petite puce. Bon, je vais pouvoir l'ouvrir ce coffre ou pas? Ouais, j'ai plus beaucoup de soins. Hein. Ça, je vais pas le prendre tout de suite. En fait, le jeu t'oblige à utiliser des armes à feu de mêlée. Pas possible là. Si tu pourrais le faire à l'arme de mêlée. En fait, je t'explique. Je le fais à l'arme à feu parce que j'ai pas la tenue qu'il faut. Mais si tu as la bonne tenue, tu peux très bien le faire à l'arme de mêlée. Avec des sabres ou là notamment une sucette. Avec certains cow-boys, tu peux. C'est quoi? C'est un loup noir. Donc il va m'attaquer. Bah ouais. Je vais me heal un peu. Hop! Viens la pépère. Remarque, j'aurais pu lui mettre un CC avec la sucette. Ça, c'est bon. Hop, ça, on mange, ça, on prend. N'oubliez pas de prendre les crocs de loup et les crocs d'ours. Les griffes d'ours. Comme ça, la tribu indienne, vous pouvez les échanger contre du loot intéressant. Hop, ça, c'est bon. Je vais pas prendre. Oh, quoi que si, je peux prendre le marbre, il est sur mon chemin. C'est le granit que je vais pas prendre. Après, tu verras, Sly, quand je vais faire la grotte aux esprits, je vais le faire avec des armes de mêlée. Tout du moins, pas pour le mode hard, pour le mode classique que tu devras faire pour avoir justement ce qu'il te faut pour ton totem. Allez, prends-toi ça.
Elle a une sacrée durabilité, cette sucette, hein. Bien, finalement. Hop, alors. Trois marbres. J'ai pété une pioche déjà. Bah ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Va falloir que je ferme ces verres. Ouais. Tu aurais dû la manger. Non. Non, j'aime bien taper avec. Aïe. Alors, on peut les wall trick aussi. Regarde. Slide. Tu te mets là. T'attends qu'il tire. Tu tires. Tu te recaches. Le principe du wall trick, c'est faisable. Sauf quand il y en a un qui vient par derrière, bien entendu. Je trouve dommage, c'est qu'on n'a que 100 d'énergie. Ouais, mais tu peux avoir facilement des pièces dans ce jeu-là. Donc, c'est pas vraiment. Je trouve que c'est pas vraiment un souci. C'est un souci au départ quand tu commences. Oui, effectivement. Mais à force de cumuler, de faire les quêtes, d'avoir les bonus quotidiens, où tu as le statut VIP, où tu peux gagner des pièces, etc. Finalement, bah, tu peux facilement acheter. Acheter de l'énergie en fait. Alors, on va farm ça. Il me reste juste un côté de la grotte et après on a fini la mine de chromite. N'empêche que, regardez, à part terre, là, il y a le petit rat. C'est super bien fait, je trouve, hein. Les graphismes sont vraiment stylés. Maokai. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, toi? Ça, je prends. Ça, je prends ça aussi. Ça aussi. Ça, je prends parce que j'ai plus beaucoup de soins. J'ai plus de chapeau, donc je vais lui piquer. Non, ça, je vais pas le prendre. Ça, j'ai dit que je prenais pas. À se concentrer sur le marbre. Je vais prendre le VIP. Tu vas prendre le VIP sur le jeu? Je l'ai jamais pris. Je sais même pas ce que ça donne. Enfin, si, je sais ce que donne le statut VIP dans le jeu. Mais si tu le prends, je ne connais pas la durée, etc. Tu me diras ce que ça donne, Sly? Alors, par là, je crois qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait. Alors, le grizzly, je suis désolée, je vais être obligée. Ah, mais il y en a toujours un qui vient par derrière. Ça me fatigue. Pousse-toi. Le grizzly, je vais être obligée de le tuer puisque j'ai besoin de ses griffes, en fait. Hein. Pour avoir de l'acier, justement, des lingots d'acier à la tribu des Indiens. Hop! Et la peau noire aussi. Ça, c'est bien ça. Je vais boire une tisane. Voilà. Alors. C'est par là. Alors, lui, on peut le finir à coup de sucette. Allez, viens là par là. Hop! Je regarde vos messages après. Ça, c'est bon! Le cri qu'il a fait, c'est parce qu'il a eu mal. Alors, oh, du granit. Bon, je vais le prendre, hein, je suis en fin de grotte. Quelle technique, quoi? Oui, tu connaissais pas. Ah, tu connaissais pas ma plume, la technique de la choupa choups. Ah, je voulais voir ma Mithy Doka d'amour. Mouah. Ah, ma Demetra, tu vas bien? Ça fait longtemps. Je suis contente de te voir. Comment tu vas? Hey, coucou Elcat, tu vas bien? Alors, coucou, ça fait longtemps. Bah oui, t'avais disparu, toi. On ne te voyait plus. J'espère que tu vas bien en tout cas. Oh, ça c'est bon ça. On a plein de chromite en plus. Un plan, comme tu vois, Sly, hein, c'est ici. Je vais l'ouvrir, il me donne plus 1 de défense sur le pantalon de cow-boy. Donc c'est plutôt pas mal. Et à force, même les petites tenues vont devenir intéressantes. Je viens de me réveiller. Oh, alors ça veut dire quoi? Des chips dès le matin, Elcat? Je vais prendre du charbon aussi. Comment tu vas, Demetra? Je suis fatiguée, j'ai un bébé chien moi maintenant. Ah, c'est quoi comme bébé chien?
Ben on a tout fait. Toujours suivre les rails. Non, on n'a pas tout fait. Là, je vois du. Il reste une salle ici. On va prendre les récompenses ici déjà. Hop. Comme ça nous fait du soin en plus. Il nous reste une salle là. Et ce sont des voyous. Allez, viens prendre ton coup de sucette, toi. Ah, j'ai cassé ma sucette. Oh, ma sucette. Ouais, je crois que j'ai plus de sucette, mais je crois que je dois avoir des sucres d'orge. Un berger australien. Une berger australienne. Oh, c'est mignon. Comment elle s'appelle? Tu t'endors sur mon stream et tu te réveilles avec Mitty. Ah bon, tu t'es endormi sur le stream de Roby, L4? Ah bah voilà, vous avez entendu le bruit? Regardez là-haut. Ils vont attaquer mon ranch, encore une fois. On va manger ça, on va regarder ici, et puis on va farm le chromite qui reste. La torche, j'en ai pas besoin. Ça, on va prendre. Viens de prendre mon coup de sucette. Vie. Chez Ika, un petit monstre, ça dépend des fois. Ou un petit monstre, ou petit monstre, ça dépend des fois. C'est mignon. Ça, c'était un joueur. Enfin, joueur. Une copie de joueur, on va dire. Un bot. On va prendre ça. On va prendre ça. Bah, du coup, ça, je peux le prendre. Mon chapeau, voilà. Non, ça, je vais garder par contre. Ça aussi. Le reste, j'ai pas besoin. Ici. Mitty, ton stream finit à quelle heure? Bah, juste après, là, une fois que j'ai fini ici. Bah, d'ailleurs, j'ai fini. Puisque il est bientôt 13h. Hop, là-dedans, ça, on n'en a pas besoin. Sly, est-ce que tu as vu ce que tu voulais voir? Dans la mine de Chromite. Non, je crois que c'est pas par là. Toujours suivre les rails si on est perdu. Voilà, on retrouve son cheval. Il est au bout. Pas de chips ce matin, mais peut-être des craquelins salés. Décidément. Oui, je les ai mis en couleur. Donc, dans 6 heures, ils attaquent mon ranch. Allez, on va faire marcher. Du coup, on va arrêter le stream ici pour aujourd'hui. On est quel jour aujourd'hui? On est vendredi, je crois. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, stream sur l'ASD samedi. Et avant, s'il y a une mage, je sais pas. Ça dépend. Normalement, la mage l'ASD, elle est prévue en début de semaine. Mais il peut y avoir. Elle peut venir avant. J'en bafouille. Ma pause déj, je finis à 13h30. Du coup, tu restes jusqu'à 13h30. Ah, oh, je peux pas, ma Démétra. Je suis désolée. J'aurais bien voulu, mais je peux pas. Déjà, hier, j'ai fini à la bourre. À plus, Mitty. Bon week-end. Merci, à Gentiti, à toi aussi. J'aime le sucre et ce qui est salé. Bah, c'est parfait, L4. C'est honteux, ces gens qui ne savent pas quel jour on est. Mais non, mais j'oublie tout le temps. En plus, ce matin, je me suis levée, je t'assure, Plume, je le savais. À 6h du matin, je le savais. Mais depuis, j'ai oublié. bye, Max. Merci d'être passé. À bientôt, Roby. Salut, Wellen. De rien, Sly. Bah, je suis désolée, ma Démétra. Vraiment désolée. Je vous fais des bisous. Et puis, bah, du coup, je vous dis à demain. Allez, ciao, bye. Hein.